Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter quelques tutos spécial Saint-Valentin. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, il vous faut des petits chocolats et des feuilles de papier avec un motif qui vous plaît. On vient reporter la taille du chocolat sur le motif, on découpe une bande et on le colle. Pour ce deuxième tuto, il vous faut un bocal, une feuille de couleur rouge. Il suffit de tracer un cœur sur la feuille. On découpe. Et maintenant, on peut venir décorer le bocal. Donc moi, j'ai mis un petit napperon, le cœur par-dessus. Et on attache le tout avec une ficelle. Donc dedans, vous pouvez mettre des bonbons, ce que vous voulez. Mais moi, j'ai choisi de mettre des petits mots. Donc pour ça, j'ai pris une feuille rose que je venais découper en plusieurs petits morceaux. Et dessus, vous écrivez ce que vous voulez. Donc des petits messages, des petits mots, n'importe. Et donc le but, ce sera de remplir totalement le bocal. Donc ça, on peut venir les rouler un à un et venir les attacher avec une petite ficelle. Ou alors on plie simplement le papier et voilà. Donc pour commencer, il faut imprimer le patron, donc je vous le mettrai en barre d'infos et on vient le découper. Donc moi j'ai fait sur une feuille rose. Donc là on découpe les losanges et ensuite on plie sur les pointillés. Donc c'est facile, il suffit juste de suivre les pointillés. Donc voilà ce que ça donne, on peut venir le décorer avec pourquoi pas du papier à motif et rajouter des petits mots. Donc c'est une boîte, vous pouvez mettre des bonbons ou alors tout simplement votre cadeau. Pour ce dernier tuto, il vous faut des branches d'arbres et des feuilles de couleur. Vous venez tracer des cœurs sur la feuille. On découpe et ensuite avec du scotch double face, on vient coller les cœurs sur les branches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, vous pouvez toujours participer au concours. Il est ouvert jusque lundi 16 février.
Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en attendant, je vous dis à bientôt!